4000 le ton, look festif et sapin XXL, l'épouse de prête à toutes les folies pour Noël. Le mois de décembre ne va pas être très joyeux dans les couloirs de Buckingham Palace. Pour la première fois, Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, vont devoir célébrer les fêtes de fin d'année sans la reine Elizabeth II. Décédée en septembre dernier. Mais haut les cœurs. Malgré la nostalgie ambiante. La princesse de Galles ne se laisse pas abattre et pour cause, en ayant hérité de ce titre. À la mort de la reine, elle a aussi hérité d'un nouveau devoir royal, celui de présenter le concert de Noël interprété par la Bichoire. Pour être sûr que tout soit prêt, pour le tournage organisé en l'abbaye de Westminster le 15 décembre 2022. Kate Middleton a retroussé les manches de son pull couleur crème, au motif festif. Pour peaufiner la déco. Sur une vidéo, partagée sur le compte Instagram officiel de la princesse et du prince de Galles. On peut effectivement voir l'épouse de William en plein travail, accrochant boules et guirlandes aux branches d'un large sapin. La touche finale avant le concert de demain, écrit-elle. Décidément, tout est pensé jusqu'au moindre détail avec Kate. Point ce qui n'a rien d'étonnant. Le spectacle sera retransmis sur ETV le soir du réveillon et il devrait rendre hommage à feu la reine Elizabeth II. Style Diva place Holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8 990 px, Diva. À place Holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Mieux vaut, effectivement, penser à la douceur de Noël et aux chansonnettes. Pendant que Kate Middleton présentera son concert de Noël le 15 décembre 2022. Meghan Markle et le prince Harry dévoileront, via Netflix, la suite très attendue de leur série documentaire divisée en 6 épisodes. Or, dans la première salve disponible sur la plateforme, l'épouse du prince William en prenait pour son grade. Sa belle-sœur avait clairement fait comprendre que, quand elle avait assuré avoir été très bien reçue au sein de la famille royale britannique par la princesse de Galles. Lors d'une interview, elle avait purement et simplement été forcée à enjoliver la vérité. Pour autant, Kate et William auraient décidé d'envoyer, malgré tout, quelques cadeaux à Archie et Lily Bay. À l'esprit des fêtes.